le dossier du patient. C'est un bon médecin qui regarde le dossier. Hein. Le prochain patient, il a 57 ans, c'est un monsieur diabétique de type 2. Il a fait un infarctus en 2016 et il a une hypertension. On ne connaît pas bien plus dans cette narration. Sa dernière hémoglobine glycée est à 9,3%. Il n'est pas très régulier dans le suivi, malgré une ordonnance qui est faite tous les 3 mois. Elles sont globalement supérieures à 9%. Il n'y a pas de trace de consultation cardiologique depuis 2016, ni de suivi ophtalmologique, tout ceci dans le dossier. Le traitement comprend de l'aspirine, du candesartan, et bon, là j'étais un peu vite sur les noms, mais j'ai pris tel que c'était écrit, le Liptruzet, la metformine, matin et soir. Pas d'allergie notée, vaccin à jour, dépistage hémoculte à jour. Je reçois donc M. S, qui est un bon teint, qui a une bonne mine, qui est enjoué, qui en entrant dans le cabinet. Il me salue d'un bon docteur en me broyant les mains. Il s'assoit sur la chaise, pose son téléphone, son portefeuille, ses clés de voiture sur le bureau et dit « Ah, j'ai fait un effort de la prise de sang avant de venir, hein, et je sais déjà ce que vous allez me dire. » Cela me déroute un peu et s'attend probablement à ce que je fasse la morale sur son résultat d'hémoglobine glycée. Je lui demande les raisons de sa venue. Ça fait 3 jours que je n'ai plus de cachet pour ma tension et mon diabète. Je viens pour renouveler mon ordonnance et j'ai vu que mon hémoglobine glycée était à 9%. J'aimerais savoir pourquoi ça reste à 9%. Ben oui, effectivement, votre hémoglobine est haute. L'objectif était chez vous de se rapprocher des 7%. Je veux faire le point sur les règles hygiénodiététiques qui lui ont été sûrement expliquées auparavant. Ouais, je ne me rappelle pas. Hein. En gros, il faudrait que j'arrête tout ce qui est sucré. Hein. J'ai quand même le droit de manger des fruits, non ? Ce que je comprends encore de nos discussions, c'est que le diabète est synonyme pour lui de manger trop de sucre. Je me dis que ce n'est pas gagné, ce patient n'est pas observant sur le plan des médicaments, ni sur l'hygiène de vie. Il n'a visiblement pas compris les conseils diététiques, et voyant qu'il attend des réponses, je reprends. Oui, en gros, c'est l'idée. Il faudrait éviter les sucres rapides et privilégier les féculents qui contiennent des sucres lents. Évidemment, vous avez le droit de manger des fruits, mais en quantité raisonnable. Je vois que le sujet l'intéresse et qu'il souhaite aborder le sujet de l'alimentation. Nous faisons le point sur ses habitudes alimentaires. Au petit déjeuner, il prend de la brioche avec de la confiture, du café, un jus d'orange, fait maison. Le midi, il prend un gros plat de pâtes pour tenir le reste de la journée, car il tient un bar le soir et le repas du soir se résume soit à un grignotage à minuit, soit à un plateau de charcuterie et de fromage, le tout accompagné d'alcool au bar. La consommation d'alcool est contrôlée entre 1 et 2 verres maximum. J'ai l'impression qu'un rééquilibrage entre le repas de midi et du soir pourrait être bénéfique. Je lui conseille de remplacer la brioche par du pain et d'éviter ou réduire la confiture. Je le félicite pour sa consommation d'alcool, d'autant plus pour un gérant de bar. Il a l'air d'apprécier mon soutien, lui qui s'attendait à une consultation moralisatrice. Ouais, mais ce n'est pas trop possible quand je tiens le bar, parce que soit c'est le rush et je mange tout ce que je trouve en rentrant, soit c'est les amis qui viennent au bar et à ce moment-là, c'est détente, on va au restaurant de ma fille qui bosse en face de mon bar. Bah, demandez à votre fille de vous préparer une salade plutôt qu'un plateau de charcuterie. Ouais, c'est une idée, pourquoi pas. Ce bon vivant semble petit à petit résolu à changer ses habitudes de vie. Je me demande si une consultation diététique l'intéresserait. Ensuite, je lui demande s'il prend bien son traitement. Oui, je le prends bien, si ce n'est que depuis 3 jours, j'en ai plus. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter la dose de la metformine, hein ? J'ai que 500 mg matin et soir. Je lui explique qu'on peut effectivement augmenter son traitement à condition de faire attention à son alimentation. Sinon, ça ne servirait à rien. Je décide de m'attaquer au suivi cardiologique chez ce patient, aux antécédents. Ah, ben, la dernière fois que j'ai vu le cardiologue, c'était il y a 3 ans. C'est noté sur un dossier, un SCAP ST- en 2016. La seule consultation de cardiologie, c'était aux urgences. Ah, et vous ne l'avez pas revu depuis ? Pourquoi ? Vous avez quand même fait un infarctus. Ouais, mais j'avais pas le temps. Ah, mais il faudrait quand même refaire le point avec le cardiologue. Ce serait bien de contrôler le cœur. Ouais, je prends rendez-vous pour la rentrée en septembre. Hein. Je lui conseille de ne pas attendre trop longtemps pour appeler le secrétariat et fixer un rendez-vous, car il y a pour le moment des délais. Je vois également tabac sevré à 53 ans sur le dossier, sur un sevrage depuis 4 ans. Je leur demande s'il fume, fait l'air de ne pas savoir, il me dit qu'il vapote, mais qu'il essaie de diminuer. Je le félicite à nouveau pour avoir arrêté le tabac et envisagé de lui-même la baisse du vapotage. Je lui indique qu'il faut qu'il poursuive ses efforts, car on ne connaît pas les effets de la cigarette électronique à long terme. Pour l'examen clinique, je l'examine et ne retrouve pas d'anomalie notable, monofilament compris, hormis la tension artérielle un peu élevée à 160 sur 95, mais il n'a pas de traitement depuis 3 jours. Il pèse 98 kg pour 1,73 m, donc il est lissé à 32. Je lui demande s'il a une activité physique régulière et répond qu'il marche beaucoup. Devant ses antécédents cardiologiques, sans bilan récent par un spécialiste, je ne me lance pas trop sur le terrain de l'activité physique. Prudence.
Voilà. Une histoire. On a dû rebasculer sur les deux. Alors, quels sont les éléments biomédicaux, c'est dans un premier temps, que l'on pourrait repérer dans cette situation? On parle bien du biomédical. On a le droit de dire, hein? Le droit de parler. Il n'y en a pas? Le diabète. Une hypertension. Une obésité. Les antécédents. Comment? Les antécédents. C'est quoi? Enfin, de SCA suivant. Vous voulez dire un infarctus? Un antécédent d'infarctus? Il faut être à peu près précis. Un grand risque neurovasculaire. Oui, donc les complications du diabète, hein, on va dire. C'est compris dans le mot diabète. Ok. Ça, c'est pas plus important. Donc. C'est ce qui va graviter autour sur les éléments importants. Maintenant, est-ce que vous avez repéré des choses qui sont des éléments qui, autour de ce que présente ce patient, dans les éléments environnementaux, dans les éléments du patient, dans les éléments du docteur, qui pourraient être mis dans cette situation? Le fait que le diabète ne soit pas totalement équilibré, que l'observance n'est pas... Tu essaies de dire une chose alors, d'accord. Non, mais dans quoi tu le mets? Tu veux dire l'observance ou le diabète pas équilibré? Je voulais dire plusieurs choses. Mais... Donc, l'observance? L'observance, du coup, le fait qu'il ne prenne pas toujours ses traitements. Okay. Donc c'est lié au patient? Dans le patient? Je note là. Alors, d'autres éléments dans cette situation qui, pour être très clair, ce patient, si on le met à l'hôpital pendant 15 jours dans un système clos, on pourra obtenir des éléments, on sortira de tout le contexte. Donc, qu'est-ce qui, dans le contexte lié au patient, lié au médecin, vont être dans cette situation des éléments qui vont devoir être certainement négociés avec le patient? Le métier. Donc le métier, ça va avec le patient aussi. Et l'environnement, ouais. Alors, quand vous dites le métier, est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus explicite, quoi? Il travaille dans un bar. Voilà, je veux dire. D'autres éléments, donc le bar, c'est quand même un risque de consommation. Rien d'autre? Les horaires de travail. Oui, donc c'est un peu contextuel aussi, hein, d'un temps de travail qui semble très long. Le plaisir du patient, le bon vivant. Peut-être aussi un manque de connaissance de la règle diététique à suivre, puisqu'il avait l'air intéressé par les informations, donc peut-être qu'en fait, il ne sait pas comment faire pour... D'accord. Donc, le manque de connaissance.
de la maladie, en fait, de ce qui est important pour sa santé. Au niveau du médecin, il a eu ses derniers patients de la journée, il a eu plus de temps pour se pencher sur le dossier, il ouais. peut se dire, bah, c'est bon, j'ai pas une salle d'attente remplie derrière, je peux prendre un peu plus de temps pour lui. Ouais, en contexte de temps pour le médecin, même s'il est fatigué, il a du temps. Donc l'attitude du médecin aussi, moralisateur, oui. C'est le docteur, non? À autre. Il y a d'autres, oui, c'est ça, mais il y a d'autres éléments. Ses amis, l'entourage, oui, dans le contexte, hein, et le café et l'entourage des copains, c'est un point important. C'est un peu dans la non-prise de conscience de ce qui pourrait être la maladie, en fait. Hein, ce que vous appelez la connaissance de la maladie. Ben, de ça, pour l'instant, ce qui était important, il y aura une intervention après de Alain Moreau qui vous remontrera les éléments. Ce qu'il faut, c'est que vous gardez bien ces éléments, c'est que regarder le patient diabétique, c'est regarder dans cette situation tout ce qui... au fond, qu'est-ce que vous voudriez faire avec ce patient? Ce que vous voulez, c'est que son diabète soit mieux équilibré. Et comme l'avait montré Frédéric Zoris, c'est qu'est-ce qu'on va faire travailler, sur quoi on va travailler avec lui, et surtout, qu'est-ce qui va être possible? De quoi il va être capable de faire? Parce que vous pouvez bien lui dire, bon, ben, comme elle a dit, vous allez changer votre alimentation. Hein, vous allez faire de l'activité physique. Le problème, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va être efficace? La vraie question, c'est est-ce que ça vous parle, cette méthode de réflexion? Vous en faites quoi, tout ça? Si vous aviez le patient en face de vous, je me demande ce qu'il en fait. Hein? Ce que vous avez montré, Frédéric Zorzi, c'est entre les propositions et le temps de réflexion du patient une fois qu'il a eu des informations pour commencer à réfléchir à ce qui serait dans la décision partagée, ce qui va lui permettre de voir, d'être conscient. Le rôle du médecin, ça va être de faire apparaître ces points-là, de les comprendre et de les redonner, comme de les faire voir par le patient, lui, s'il ne les voit pas. Et à votre avis, dans cette situation qu'on vous a présentée, le docteur, il était bien? Est-ce qu'il a été avec lui? Vous souriez comme ça? Mais peut-être qu'on ne dirait pas la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous différents aussi. Donc Ça marche. Ouais. On est tous différents et en fonction du jour de la semaine et de l'heure dans la journée, on va être en plus différents. C'est juste ce que je voulais dire par là. Et là devant, on nous dit, pour le fond, il faut peut-être plusieurs consultations pour arriver à faire quelque chose. Derrière, élaborer le projet de soins qui se fera avec le patient, en dessous, il y a sa mise en route et son suivi
dans, avec les actions dans la continuité et la pluridisciplinarité, où il y aura effectivement le cardiologue, le diététicien, ces éléments. Donc ça, c'est le référentiel métier. On ne le travaille pas maintenant, mais c'est pour dire que c'est ce qui se passe après. Mais si on ne travaille pas le début, tout ce qui est là, ça peut capoter. C'est-à-dire c'est vraiment le socle de la réflexion, c'est de regarder quelle est la situation et quelle est la complexité de la situation. Le côté urgent, c'est y aller. Non, en dessous. Là, voilà. On avait demandé trois thèmes, la prévention, l'urgence et puis la polymédication. J'en ai profité pour vous remettre qu'il y avait des six familles de situations. Hein, dans le référentiel métier, il y a des familles de situations. La famille 3, c'est l'urgence. Et les situations 5, c'est celles qui sont liées au travail. Parce que c'est important d'en profiter. Donc là, c'est une consultation, c'est un matin d'un jour de novembre, dans un créneau de consultation sans rendez-vous, dans un village de campagne isolé. Il fait froid et humide dans cette saison, un brouillard épais et glaçant qui recouvre le village de 5h du soir à 11h du matin. Et c'est un monsieur qui consulte pour ce qui tousse depuis deux jours. C'était largement avant ce qui se passe actuellement. Dans son dossier, il est boulanger, célibataire, sans enfant, il est suivi depuis deux ans au cabinet médical. Il a consulté occasionnellement pour des problèmes traumatologiques et cutanés, un hygroma du coude, un furoncle abdominal, une tendinite, une brûlure. Il a bénéficié d'une cure d'hygroma de genou gauche et a été suturé d'une plaie du tendon du pouce. Sa vaccination anticutanique est à jour et il n'a aucune allergie connue. La première impression laisse un sentiment d'inquiétude. C'est un patient qui est mince, il a un nez qui coule, il a les yeux cernés, il est pâle. Il est de petite taille, il sent fatigué, il sent tabac froid, il est habillé de manière un peu légère par rapport à la température extérieure. Il ne porte ni manteau ni écharpe. Il dit tousser depuis deux jours dans l'entretien avec un écoulement du nez, des maux de gorge. Il crache un peu jaune, il dort mal du fait de la pluie, il présente une douleur derrière le cerveau, ça a augmenté dans le cou, et il mange moins. À l'évolu de la fièvre, il y a eu des frissons, il a augmenté la température. Et en fait, il relie les frissons à un autre élément, parce que depuis quelques jours, il n'a pas de chauffage dans sa boulangerie, ni dans son appartement, qui se trouve juste au-dessus. La chauffage est en panne et la mairie n'a pas encore fait réparer. En ce moment, il fait 14 degrés chez moi, j'arrive même pas à faire sécher mon linge, je m'habille avec des vêtements mouillés. D'après le temps qu'il prend, ce problème de chauffage semble être vraiment agaçant, bien plus que la toux. À la question si en attendant d'avoir une chaudière en état de fonctionnement, il trouve des moyens de se réchauffer, il répond en souriant qu'il boit au moins 30 cafés par jour. Sa consommation de tabac, il en fume à peu près 15 à 20 cigarettes. Quand on l'examine et qu'il se déshabille, ben finalement, sous vêtements, il est mince mais il est musclé. Il a 56 kilos, un poids stable sur les consultations, 1m63, 1m21. Alors qu'il se déshabille et se pèse, la conversation continue, et puis je lui demande si la chaleur des fours n'allait pas se réchauffer un peu. Eh bien non, parce que les nouveaux fours sont bien isolés et l'arrière de la boulangerie est froid, donc les portes du four sont en métal très lourd. Et d'ailleurs, j'ai déjà pris la grille du four sur le front. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il explique en fermant le four que la grille est tombée dessus sur le front, et elle doit faire au moins 10 kilos, donc il est tombé par terre. Mais vous avez perdu connaissance? Ben, sûrement un peu, parce qu'avant d'ouvrir le four, il était 7h, et quand je me suis réveillé, il était 7h15. Donc je pense que oui. Mais c'était quand? Ben, il y a un mois. Ah bon? Mais vous n'avez pas voulu consulter? Ben non, il hausse les épaules. Ben après, ça allait, puis je ne peux pas partir de la boulangerie comme ça, en plein milieu de la journée. D'accord, et vous n'avez pas eu de maux de tête ou envie de vomir? Envie de vomir, non, mais par contre, j'ai encore un peu mal à la tête quand je m'énerve ici. Il monte une zone précise au niveau frontal des bras. L'examen inclut notamment un examen neurologique du fait de ce traumatisme crânien moyennement récent. L'examen révèle qu'il existe en plus une asymétrie au niveau des membres avec une amyotrophie nette du côté droit, prédominante au membre inférieur. La force musculaire est présente, les réflexes aussi. Et il y a même une asymétrie de longueur des membres. Deux réponses au patient, ben, je suis comme ça depuis toujours, ou je crois que c'était quand j'étais petit. Le reste de l'examen neurologique est sans particularité. Il y a un foyer de Ronchi qui se trouve également à la base pulmonaire gauche à l'auscultation. L'examen de la gorge est normal, mais l'état dentaire est déplorable. Il n'a pas de fièvre, une tension à 12, la saturation est à 96 et le rythme cardiaque à 70. La fièvre n'est pas retrouvée lors de la consultation sans prise de paracétamol. Et voilà. Même question sur les éléments biomédicaux. Les urgences, c'est toujours un peu plus facile parce que ça met des points précis, hein. Pas 50. Qu'est-ce que vous dites? Sur
Mais quel est le problème de santé qui vous semble biomédicalement important? Une bronchite. C'est deux points. D'accord. Même travail sur les éléments contextuels qui pourraient, ou du médecin qui sont présents dans cette situation. Son environnement avec l'absence de chauffage chez lui, l'habillage à froid alors qu'il y a une thrombectomie. D'accord. Tu mets ça dans le contexte ? Contexte environnemental. L'isolement du patient. Isolé, ça veut dire que vous pouvez décrire ce que vous avez vu. Solitude du patient. Isolement. On parle bien d'isolement, pas d'isolation. D'autres éléments dans cette... Qui ne consulte pas pour tous ces problèmes, quand il ne s'est pas assommé pendant un quart d'heure, après il n'a pas consulté, donc il vient que quand ça va moins bien. Ouais. Comment on peut dire ça? Le motif de consultation et le motif de consultation amené par le patient ne correspond pas forcément à ce que la suite de ses patients. Oui, donc une tolérance très importante chez le patient. Comment? Le patient français. C'est un artisan. C'est un artisan lié à son travail, hein, qui lâche pas. Hein. D'autres choses encore qui vont intervenir dans ce que vous aurez envie de faire en tant que. Comme docteur, vous sentez comment dans votre corps? Il vous énerve, il vous agace, il vous inquiète. Si j'étais patient, il ne serait pas rassuré. D'accord, ben voilà. Bien. Le médecin, oui. Le tabac, ça ne vous posait pas de problème? Les 30 cafés, monsieur Zorzi. Ah, tu me manquais le temps. On est où? C'est les repérages des éléments qui vont entraîner dans la discussion. Pour le tabac et l'alcool, vous pourriez imaginer répondre au professeur Jolie, ce n'est pas urgent. Le tabac de café, pardon. En gros, avec ce patient, vous pouvez en terminer avec lui, vous faites quoi? Il y a un docteur qui dit on soigne sa bronchite et puis on le revoit pour en parler d'autres choses. Ça vous va? Non. Alors, c'est quoi? Qui l'envoie faire un scan de l'IRM? Vous avez le droit de lever la main fort et puis entre. Alors comment vous lui proposez ça? Le docteur, ça fait un mois et je vais bien, je pense galérer de faire votre mouvement. Une question dans les imageries, est-ce que vous préférez faire une radio pulmonaire ou un scanner cérébral? Quel serait l'intérêt de côté agenda? Qu'est-ce que vous pensez que ce patient ferait ou pas? Est-ce qu'il irait? C'est ça. Ouais. Ah.
Vous savez qu'un des niveaux d'incertitude liés à notre exercice de tournée recours, c'est l'incertitude liée au patient. Quand il sort du bureau, il fait ce qu'il veut. Et donc c'est vraiment très très important de lui faire comprendre l'inquiétude qui était exprimée là et de la valider et de l'expliquer pour avoir une chance qu'il y a. Et après, il y a l'autre manière coercitive qui serait de prendre le rendez-vous et de le... Ok, on va passer à la... aussi dire parfois que le patient a raison de ne pas faire un examen qui est prescrit sans bien fondé aussi. Ce qui pourrait être le cas d'une radio plus moderne. C'est pour ça que je faisais exprès. Le troisième dernier cas. Ah ben c'est un cas exemplaire sur les deux. C'est pire que ça, c'est pire que ça. C'est donc une situation en pays de Gex, on est dans le domaine de la prévention. Et puis aussi des patients d'une autre culture. La situation, les familles de situation 11, c'est les patients d'une autre culture. Pas vraiment du pays Gex. Hein. Fin du mois de juin, un jeudi, c'est encore un dernier rendez-vous avec le temps. Monsieur D se présente au cabinet, car il vient comme tous les ans, il retourne en Côte d'Ivoire pour 5 semaines, il a 54 ans et donc il ne voit rien. Et il n'a pas de pathologie chronique particulière, il a fait un accès palustre il y a 3 ans quand il est revenu, pas d'allergie commune, il est venu l'année précédente pour les mêmes raisons, il est à jour ses vaccins obligatoires et de fortement conseillés, typhoïde, hépatite A, B, fièvre jaune. Il souhaite avoir le traitement de prévention du paludisme, je lui propose spontanément de la malarone, traitement que je sais privilégier dans ce cas-là. Lui est plutôt réticent parce que la malarone c'est un traitement cher, mais effectivement les traitements tels que la doxycycline sont moins coûteux, mais parfois même totalement remboursés, mais également très photosensibilisants. Je lui fais part du risque quant à proposer ce traitement alors qu'il se rend en Afrique, sans même se rappeler qu'il a eu ce traitement l'année dernière et qu'il a eu des brûlures au soleil. Donc M. D se rend à ma proposition et accepte de prendre le malarone. Cette partie est intéressante hein, parce que ça rappelle quelque chose que vous avez entendu. Je fais le point sur les règles diététiques, préférer l'eau en bouteille, éviter les crudités, la prévention paludique, il est nécessaire d'utiliser les anti-moustiques, prescrit du paracétamol, du racégabotril en cas de diarrhée. Je vous propose de l'examiner, mon examen clinique est normal, auscultation cardiaque, pas de souffle, pouls, constante stable, je vous explique que mon examen clinique est rassurant. Et puis en pensant que la consultation touche à sa fin, car elle a dépassé une demi-heure, le patient me regarde à nouveau un peu gêné, puis il me dit « Docteur, je voudrais vous demander si je pourrais avoir un médicament pour être plus puissant. » Plus puissant ? Ben oui, c'est ma femme qui veut que je vous demande, n'y aurait-il pas un traitement comme le Viagra que je pourrais me rendre plus puissant ? Mais que vous voulez dire par plus puissant ? Vous avez des difficultés à avoir une érection ? Non, 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 j'ai des érections, mais pas autant qu'auparavant, et ça inquiète ma femme car elle souhaiterait être enceinte, et je peux moins lui faire l'amour qu'auparavant. Il faudrait que votre femme consulte un médecin pour être examinée, pourrait-elle venir me voir ? Ah ben non, c'est pas possible, elle vit en Côte d'Ivoire. Elle ne vit pas avec vous, mais alors du coup, quand la voyez-vous pour essayer de faire un enfant ? Ben, une fois par an, je reste 5 semaines en général. Vous ne la visitez pas plusieurs fois par an ? Même au moment, le voyage coûte trop cher. Mais du coup, lorsque vous la voyez, combien de rapports efficaces avez-vous en moyenne ? Par efficace, je veux dire avec une éjaculation. Ben, une fois par jour environ, alors qu'avant, je pouvais faire 2 fois par jour. Et depuis combien de temps avez-vous remarqué cette modification ? Ben, 2 ans à peu près. Ouais. En fait, sans ces mots, le docteur lui a demandé combien de fois il a visité. C'est des verbatim, hein, je ne les ai pas changés. Fais attention à ce qu'on dit. Alors, biomédical. Soit patient en bonne santé. Il y a un risque de paludisme. Enfin, le risque des éléments du voyage, hein, c'est ça.
Passons aux éléments contextuels. Dans la prévention, donc c'est un domaine prévention et socio-anthropologique. Quels sont les points autour de problèmes de paludisme et de voyage en pays à risque? Oui. Le fait qu'ils veuillent pas prendre de la malade, qu'ils soient d'accord ou pas pour prendre le traitement. Oui. D'accord. Et dans ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui fait partie du contexte environnemental de patient? Le fait qu'il a eu un peu de médicaments, c'est ça, et qu'il a dû faire des herbes avec, avec de la toxicité. Et ouais. Pourquoi il ne veut pas prendre la malade? C'est l'économie. C'est un point important quand même, le coût des médicaments. Je vais reprendre un cas dont Laurent Le Triard m'avait parlé un jour, mais qui était qu'envoyer chez un psychologue un jeune qui est en risque suicidaire est une bonne action, sauf que s'il est avec des manques de sous, bah, il risque de ne pas aller chez le psychologue parce que ce n'est pas remboursable et donc le soin ne sera pas fait. Donc le contexte économique est un contexte important. Désolé. D'autres éléments contextuels? Oui, son isolement. Et en quoi ça... peut ramener des maladies? Oui. Son sujet médical semble être en France pendant les 5 semaines humaines. Voir son épouse, on ne sait pas trop quel suivi il doit avoir, on peut ne pas être là. Son vécu, son historique. Oui. Vous n'avez pas envie de parler de la sexualité? C'est un peu tabou. Oui. Enfin, en tout cas, il se sent pas... Enfin, dans la demande qui lui est faite, il semble ne pas répondre aux critères. Ce qui est marrant dans cette affaire, c'est que ce patient-là, il rentre dans mes... Je vais faire un peu caricature et on les provoque. Il rentre dans nos représentations de occidental blanc, genre les gens, ils doivent avoir une rapport. C'est complètement débile, en fait. Et là, c'est le patient qui vous apporte. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est parfois... Dans... Hein? Oui, micro, pardon. On est parfois dans l'idée... de nos représentations des autres cultures ou des autres personnes qui viennent, qui ne seraient pas occidentales et blanches. Et là, ça colle en plus. Mais c'est lui qui rapporte... Voilà. Enfin, c'est pas nous, c'est lui qui dit ben, « je ne suis pas... ben, pas comme on devrait le penser ». Moi, je trouve ça déstabilisant, en fait. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir que le médecin va être confronté à une demande de médicaments, ou en tout cas de comprendre la situation, d'un élément, comme vous dites, qui n'est pas un problème de santé. Il y a peut-être un problème de difficulté d'avoir un enfant, mais en tout cas, quelle est la place du médecin, quelles sont les réponses dans cette demande? Voilà, un médecin peut lui dire tout de suite le médicament, mais après, il y a autre chose derrière. Puis il y a quelqu'un qui vous pose. Là, il nous rapporte que c'est la demande de sa femme, mais finalement, lui demander, lui, qu'est-ce qu'il en pense, oui. Et puis va le rassurer par rapport à ça. Mais voilà. Si ça se trouve, lui, il est pas. Oui, parce qu'il le dit en plus, c'est ma femme. Quelque chose de réel, oui, bien sûr. Hein. Donc pour ce point précis, c'est de demander qui est le sujet du cas. Ça serait presque un questionnement éthique, effectivement.
pense que le sexe du docteur, si ça amène une femme, ça change totalement le rapport de la façon dont ouais. il va leur aborder les choses. Ça me semble important aussi. Qu'en pensez-vous ? De voter, en tout cas. Je ne suis pas sûre d'être d'accord à 100%. Je pense que ça va dépendre de ce que le patient nous projette, effectivement. Après, nous, d'un point de vue professionnel de santé, c'est important justement qu'il n'y ait pas de différence. On aborde les choses comme un professionnel de santé, parce qu'on est là en tant que médecin, même si du coup, c'est facile. C'est évident, mais je sais que. Enfin, je sais pas, je pense que c'est important de, justement, dans ces sujets-là, de bien faire comprendre le patient, ou en tout cas de bien faire la part des choses, qu'on parle en tant que professionnel de santé et pas en tant que femme ou en tant qu'homme. Même si je ne dis pas que c'est facile à faire. Oui, c'est vrai. Oui, vous voulez dire, il faut qu'on se comporte comme des anges. Bon, en être conscient, en tout cas, il faut être conscient que c'est un sujet qui est compliqué à aborder, il faut être conscient de ce que le patient peut projeter sur nous, mais je pense que c'est voilà, il faut vraiment se mettre à distance de. Oui, plus sérieusement, il faut essayer d'être neutre. Plus sérieusement, il faut essayer d'être neutre. Voilà, c'est ça, il faut essayer de neutre. C'est facile. C'est bien. Non, mais je dis, il faut essayer, je l'ai dit. C'est facile. Ok. D'autres remarques, interventions, questions ? Dans tous les cas, je pense que le patient il choisit. Alors, soit d'abord, il va demander à voir un homme ou une femme si c'est possible. Et là, il a bien attendu justement la fin de la consultation, je pense, pour voir s'il pouvait aborder ce sujet ou pas. Il ne l'aurait peut-être pas abordé s'il était pas à l'aise. Ou... Quand vous lisez la déclaration, c'est une demande de fin de consultation. C'est le moment où, au bout d'une demi-heure, on peut peut-être obtenir quelque chose du médecin sans qu'il y ait trop de discussions parce qu'on pense qu'il est un peu épuisé ou qu'en tout cas, voilà, ça ne faisait pas partie de l'élément de départ. Ça, c'est parti du contexte. Oui. Après, dans la demande du patient, on a plus l'impression qu'il a besoin de quelque chose sur une durée limitée. Il n'est pas tant dans la demande d'exploration de choses comme ça. C'est l'impression qui donne un peu dans cette phrase-là. Du coup, il faut explorer un peu sa demande, laquelle elle est. D'accord. Il veut une solution. Parce qu'il va partir là pour 5 semaines. Lui prescrire des examens ou des choses comme ça, ça ne semble pas être sa demande de manière évidente. Oui, ça n'a pas de sens. C'est à explorer pour le futur. Pour le patient, oui. Il faut explorer quelle est sa demande. Là, il demande quelque chose pour une durée bientôt. On n'est pas trop dans l'exploration. Après, on discute avec lui, voir ce qui est. Voilà, quelle est la demande. Oui. Après, c'est aussi un patient de notre culture, donc voir avec lui sa représentation de la fécondité aussi. Je ne sais pas, en Afrique, c'est peut-être les différents qui nous expliquent. Oui, ça prend du temps. Voilà, une représentation particulière de la fécondité. Je sais que dans certains représentations, en Afrique noire, la fécondité, l'interprétation que font les hommes et les femmes, c'est de dire que l'homme remplit le vagin de la femme avec son sperme. Et si on accepte cette interprétation, on comprend l'importance de multiplier les rapports, en fait. Merci, Laurent. Non, mais c'était sincère. Bon, ben si on a terminé là, monsieur le docteur, vous reprendre la parole. J'espère qu'on vous enverra ces narrations, mais pensez à les regarder parce que là c'était difficile de parler en groupe. Mais regardez-les bien parce que c'est très très riche et il y a beaucoup de choses à voir dans les éléments d'une trace écrite de réflexion post-action. Et merci. Et merci pour...